Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et on se retrouve pour le 10ème épisode de Pokémon version Christmas. Alors j'espère que vous avez un petit peu apprécié l'accéléré que j'ai fait juste avant justement pour arriver jusqu'ici. Alors j'ai pas aussi montré mais j'ai entraîné un petit peu toute la team. Et je pense que vous voyez sûrement sur la Ute, il y a un Pokémon qui a changé. Alors je vais vous montrer un petit peu la team, je les ai tous XP level 45 sauf Celebi, que c'est un légendaire, du coup je l'ai pas pris, je me suis fait quand même déjà assez cheat. Et aussi parce qu'il est dans la boîte, j'ai pas pu l'entraîner. Alors, Ligature niveau 45, toujours les mêmes attaques, Surf, Tranche, Siphon et Coupe. Je crois qu'il avait pas Tranche, à moins il doit avoir Morsure. Alors, Cochignon, non c'est... Oui, c'est Cochignon qui a évolué, non c'est pas Cochignon. Ah je sais plus, ouais, qui a évolué en Mamochon. Alors ça m'a étonné, il avait pas besoin de pouvoir antique, il a évolué niveau 43. Alors il a Force, Charge... Ténacité et Poudre Snow, c'est quoi? C'est Poudreuse. J'essaierai peut-être de lui apprendre une autre attaque, ça peut être utile. Sparky, qui est niveau 45, qui a toujours aussi les mêmes attaques. Tonnerre, Éclair, Vive Attaque et Souplesse. Alors Leaf, qui est niveau 45 aussi, enfin ils sont tous niveau 45. Qui a Coup de Boule, Giga Sensu, il a enfin pris une attaque plante. Synthèse et Ballon. Nintel... Venard, qui a Flame Ball, boule de feu, Lance-Flamme, Vive Attaque et Onde Folie. Et le Poissoura que j'ai appris pour Cascade justement. Parce que ça m'étonnait, Alligator pouvait pas prendre Cascade, je pense que vous l'avez peut-être vu dans l'accéléré. Et que c'est parti, je pense que là on va sûrement affronter les rivales. Ah, c'est bien, ils ont laissé ça. Dr Chips, tu es arrivé ici avec, tu es arrivé ici pour combattre la Ligue Pokémon avec tes Pokémon. C'est bien. Amroid, c'est tout, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de faire un combat pour voir si tu es assez prêt pour ce défi. Let's go, c'est parti. Et un petit combat contre notre rival. Le dernier amant, en tout cas pour cette saison. Chris veut se battre. Ah, commence direct avec Fenard. 36. Bon, c'est vrai que j'ai quand même un niveau quand même assez élevé par rapport à elle. Mais j'avais pas envie de faire une petite petite ellipse là entre pendant l'épisode pour XP la team. Parce que le niveau de la ligue risque quand même d'être assez haut, je crois que d'habitude il était niveau 50, voire peut-être 55. Non pas 55, je sais que les Dracolos c'était pas niveau 55, mais au moins 50. Du coup je me dis on va peut-être mettre 45, ça devrait suffire. Alors Pikachu. On va mettre Koshi. Je vais essayer d'apprendre quelques CT à certains Pokémon. Je suis quand même bien content que d'avoir un Mamochon, c'est quand même un excellent Pokémon. Surtout que je pensais pas qu'il allait évoluer quand même par niveau. C'est une bonne surprise. Bon, combat pas très palpitant, on gagne quand même assez facilement. Alors qu'est-ce qu'il envoie? Poliswap, je crois que c'est Tetart. Un Pokémon que j'apprécie assez bien. Qui se retrouvera aussi dans une prochaine aventure. Bon, je vous en dis pas plus, ça sera... De toute façon, ça fait longtemps aussi que j'en parle encore, ça devrait bientôt arriver. Il faut que je continue à tourner, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pu tourner. Tetart, mais au 35 quand même. Alors, un bon niveau. Ensuite, Glaceon, c'est Givrali. On va envoyer Fox. On prend ça, on a un type de Pokémon pour efficace contre ces Pokémon. Lance-flamme, je pense que ça devrait le faire. Alors maintenant, j'essaie aussi un petit peu de réfléchir pour la question du jour. Dans cet épisode, je pense qu'on va arriver à qu'on va faire la ligue en entier. Je sais pas, avec l'extérieur, je sais pas encore combien de temps ça fera. Mais je pense que ça sera un long épisode qu'on fera en entier. Azumarill. On va mettre Leaf. Comme ça, chaque Pokémon aura combattu. Niveau 38, ah ouais. Alors c'est vrai, Azumarill est quand même un Pokémon qu'on voit très peu dans cette version. Il y a peu de dresseurs qui ont des Azumarill ou des Marill. C'est assez dommage quand même. Il résiste. Oula, bon, non mais ça on le tient. On le tient largement même. Je suis assez content qu'il ait pris une bonne attaque plante, Leaf. Même si c'est vrai que s'il aurait pris l'Impulse, ça aurait été beaucoup mieux. Vu qu'il tape plus sur le physique. Et le dernier c'est Hypno. C'est un surnom.
Ouais, on va y aller Sparky, allez. C'est parti pour Sparky. Allez. Alors, je pense tonnerre. Ça devrait le faire. Assez bizarre quand même qu'elle ait un hypnomade. Peut-être les développeurs qui voulaient lui mettre ça. Sous cette poubelle encore, je trouve ça un petit peu logique. Mais hypnomade. Je sais pas, ça fait bizarre. Moi, c'est original quand même. Il a de bons Pokémon qu'on voit pas très souvent. Ah, on a battu Chris. Quoi, j'ai perdu. Tu es un bon dresseur, ouais. Ouais, je ne peux pas te donner quelque chose. Ouais. Tu as la force pour devenir maître, Dr. Chips. T'as dit quelque chose comme ça, je crois. Allez, la Ligue Pokémon. On peut même pas lire le panneau. Ah si. Plateau Indigo. Le but ultime pour les dresseurs de Pokémon. Pokémon League HQ. HQ. Ah ouais, c'est vrai que j'ai mis un repousse dans la grotte. Bon, déjà on va se soigner. Voilà. On va déposer machin là. Seeking. On va reprendre. En plus, ça m'a étonné parce qu'il n'y a aucun de Bepcon qui pouvait apprendre. Qui pouvait apprendre Cascade. On va reprendre Celebi. Je pense pas que j'aurais mis Seeking sur le Layout. J'aurais mis Poissora. On va essayer de bien se préparer là. Je vais regarder un petit peu avec les objets. Enfin, les objets. Les CT, Dynamic Punch. Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre? Sparky ou Caïman? On va pas lui apprendre. Ice Wing. Attaque glace qu'on va prendre à Koshi. Je pense Caïman, bon, c'est plutôt le CS Club. Je sais pas exactement. Je sais pas. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ah ouf. C'était force. Bon, enlever en dur. Ouais. Je sais pas si ça va vraiment nous servir, ça, je pense pas. Que de faire? Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre, ça? Peut-être Pikachu. Ah, Leaf aussi. Fox. Je pense que Pikachu, c'est mieux. On va enlever Slam, ça rate souvent. Qui est souplesse. Ensuite, Draco Souffle. Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre? On va voir ça. Non, personne. Mud Slap, ça sert pas à grand chose. Sludge Bomb, j'ai déjà regardé. Et le reste, je pense que ça devrait le faire. Juste regarder Surf. Je crois que Surf, c'est la CS que j'apprécie le plus. Mais à part Caïman, y'a personne. On va faire un petit peu le plein d'objets. Je pourrais y aller sans objets et tout, mais bon. Je sais pas exactement quel est le niveau de la ligue. Dirty, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, full heal. On va les garder. Gros dragon, je pense que je vais le vendre. Nugget, on va vendre. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Des super bonbons, je vais peut-être les utiliser, ça. Ice Shard, comment on va la garder? Non, on va pas vendre, on va acheter. Hyper potion. On va acheter 16. Des rappels. On a acheté 11. Des poulies, on en achète aussi quelques-uns. La plupart du temps, quand je fais la Ligue Pokémon, j'achète toujours à peu près une dizaine d'objets. Une dizaine de chaque. Bon, je pense que ça devrait suffire. Je vais juste quand même utiliser les super bonbons sur Evoli. Pas sur Evoli, sur Celebi. Voilà. Pour qu'il ait quand même aussi un bon niveau. Alors, le premier conseil, je crois, il est de type Psy. Du coup, je pense qu'on va mettre Leaf, vu qu'il a ballon. Et en deuxième, Sparky. Non, on va pas changer les moves. Alors voilà, bon. C'est parti pour la ligue. Ah. Tiens, on dirait Olga. C'est peut-être de type glace en fait. Je pense que je vais changer au cas où. On sait jamais. C'est vrai que ça a l'air d'être de type glace. C'est bizarre. Bon, allez, c'est parti.
bienvenue à la Ligue Pokémon, Dr. Chips. Ouais, je suis Lorelai, justement. C'est Olga. Bon, je vais pas lire les trucs qu'elle utilise, les Pokémon glace, ouais. Ouais, les Pokémon seront ma merci une fois gelé, c'est parti. Bon, ils ont pas changé le dialogue. Alors, Olga peut se battre, ouais, elle envoie. Lamantine. Niveau 40, quand même. Ouais, ils ont un niveau assez élevé. Alors aussi, je pense que pour la saison 2 que je ferai à Kanto, j'essaierai de changer un petit peu l'équipe. Peut-être pas tous les Pokémon, j'en garderai peut-être un ou deux, mais sinon, je pense que je vais changer tous les Pokémon. Pour avoir une nouvelle équipe, diversifier un petit peu le challenge. Du coup, j'essaierai d'XP. Dites-moi aussi, au pire, ce sera peut-être ça dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe à peu près vous voulez que je prenne pour la saison 2. Dites-moi des idées de Pokémon. Bon, avec une team au moins équilibrée, peut-être pas une team non plus complètement de type plante. Sachant que je battrai souvent raid aussi avec. Voir, on verra, j'essaierai peut-être de les attraper quand je serai à la région de Kanto. Justement pour attraper que des Pokémon de Kanto. Faut voir. Il résiste. Bon, ça va. Il va se soigner à coup sûr. Même pas. Ça m'étonne, ils ont pas de potion alors. Je les garde peut-être pour le meilleur. Bon, pour moi ça va, j'espère que l'épisode sera pas trop long non plus. Alors Close Care c'est Costabri je crois. On va voir qui. Je pense qu'il va se faire tous ses Pokémon. Je pense qu'elle a sûrement low class et peut-être Flagados. Pour moi ça a pas l'air d'avoir trop changé de Rouge Feuille vers Feuille. Niveau 40, je me souviens aussi que le niveau augmente quand même vachement. Entre le premier dresseur et le dernier, je crois qu'il y a 10 niveaux de différence. J'espère qu'on sera à la hauteur. Ça fera un petit peu de challenge au pire. Lapras, ouais, c'est low class. 41. On a encore assez de tonnerre. Waouh. Oh, de pollu. Voilà, je fais des petits éclairs en accéléré parce que vu qu'on était confus, on sait jamais. Et dernier que c'est Articodin. Ah ouais. Et j'aurais dû changer parce qu'on est confus en fait. Rate pas. Ouf. Articodin. Waouh. Ils ont peut-être d'autres légendaires aussi, genre Elector, Sulfura, les autres dresseurs. Blizzard, waouh. Ça va faire mal, je pense. C'est la meilleure ça, on est gelé. On voit les Fox. Un Articodin, waouh. Ça va être chaud je pense. Ah. Voilà. Ah, je crois que c'est Ténacité ça. Il peut prendre Ténacité lui, ça m'étonne. En vrai, je regarderai aussi parce que si l'épisode fait plus d'une heure. Ah non, c'était pas Ténacité, je sais pas ce que c'était alors. Ouais, si l'épisode fait plus d'une heure, je pense que je le couperai sûrement en deux parties. Donc vous étonnez pas si à un moment ça coupe en plein milieu. Mais je pense que je vais sûrement couper un endroit un peu stratégique. Bah, genre au milieu d'un combat pendant qu'on fait une attaque. Ouais, bon, on peut continuer. Parce qu'on aura la force pour affronter la Ligue Pokémon. Alors, full heal déjà. Voilà. Et max potion, non. Super potion. Je crois que j'ai aussi quelques super. Super potion, voilà. Fox. Or, c'est parti. Le deuxième combat. Alors, ah oui, c'est lui. Type poison, je crois. Je crois qu'il a aussi quelques types insectes. Comme Aéromite. On met Fox, du coup. Allez, c'est parti. Je suis Koga de l'élite 4. Ayla, j'adore les shadows. Comment je pourrais traduire ça? Les démons, quelque chose comme ça, et les ninjas. Ouais, la confusion et tout, le poison, c'est ses techniques. Parce que mes Pokémon vont résister. On verra ça tout de suite. C'est parti pour le combat.
5 Pokémon. Dardarnion, sympa. Je crois pas qu'il ait ça d'habitude. Bon, lance-flamme. Dommage qu'il n'y ait pas les méga évolutions, ce serait très sympa d'avoir un méga Dardarnion. One shot, hein, c'était sûr avec lance-flamme. Ensuite, Portress. Bon, on va rester. Acier, insecte. Je pense que même un Flamme Ball, ça peut le tuer. Même si c'est pas assez puissant, ça fait quand même du x4. Et plus le stab. Ah, il a peut-être fermeté par contre. Ah non, il l'a pas. Oh, l'arnaque. On compte même pas niveau 46. Mec, c'est gros tas de morve. Vous voyez qui... Vous voyez Koshi. Bon, dommage, il n'a pas d'attaque plante. Enfin, d'attaque plante, d'attaque sol. On va faire force du coup. Une bonne attaque. Alors, combien on lui fait? Presque la moitié, ça va. Oh non. Ah bah ça va. J'accélère un petit peu parce que cette attaque c'était Lilliput. Du coup, on a des chances de rater. On va renvoyer Fox. Aeromite, ouais. Alors, lance-flamme. Je réfléchis aussi encore un petit peu à la question du jour que je pourrais mettre, parce que pour moi j'en ai aucune idée. Je pourrais toujours rajouter ça au pire au montage, je verrai peut-être ça plus tard. Mais j'en ai quand même aucune idée. Alors ouais, c'est bien, on monte. Dernier qui c'est Crobat, Nostampère. Est-ce que j'envoie Koshi, parce que je sais pas s'il va servir du coup encore. Mais... Qui joue un petit peu quand même, qu'on l'utilise. Alors, Ice Wing, parce que c'est au reflet. Ça présage mal. Ice Wing, je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est Vent Glace. Ouais, ça, ça baisse la vitesse. Bon, dommage qu'il ait pas aussi appris d'autres attaques glace. C'est vrai que le peu d'attaques qu'il a appris, je trouve, c'est assez dommage. Alors que c'est quand même un bon Pokémon. Deuxième combat battu. Bah là je suis à 17 minutes d'enregistrement, moins l'accéléré justement. Du coup je sais pas encore, je pense qu'on aura sûrement le temps de tous se les faire. Et alors de la lave, ouais, non mais y a pas type feu, ouais, c'est type combat, c'est Aldo. Quand même quelque chose que je veux voir encore avec Céleste. C'est quoi ces attaques de nouveau? Future Spin. C'est quoi de nouveau? Préscience. Pas de super attaques. Mais c'est vrai quand même de l'utiliser. Alors type combat, on envoie qui? Je pense qu'Aimant peut le faire. Qu'Aimant il peut peut-être gérer. Allez c'est parti. Je suis Bruno, ouais je suis Aldo de l'élite des 4. Il s'entraîne pour obtenir le point potentiel de ses Pokémon. Il est déterminé. Et son atout c'est la force, c'est la puissance brutale. C'est la force brutale. Bon, lui, il a, je crois, de bons Pokémon, quand même. Capoeira. Je crois que c'est l'évolution de Debugant que j'apprécie le plus. Sinon, Kikli est pas mal. On va faire Surf. 42, ça augmente quand même déjà un petit peu, le niveau. 42, c'était le niveau d'Articodin, justement, du premier mec du conseil. Bon, la moitié, ça va. Tunnel. Par contre, j'accélère un petit peu, je fais une attaque qui sert à rien. Voilà. Bon, j'accélère quand même un petit peu moins pour le conseil des 4 quand même. Pour la ligue, c'est vrai que j'avais pas pour la ligue. Pour les champions d'arène, c'est vrai que j'accélérais souvent. Maintenant, j'essaie de moins accélérer. Alors, Kikli, ça c'est. On va rester. Hein. Oh, il a peut-être point éclair par contre. Mais je crois que c'est spécial dans cette génération. On verra bien de toute façon le nombre de dégâts qu'il me fait. Ouais, c'est spécial. La main il fait beaucoup plus de dégâts. Ah presque. Bon il a pas de potion non plus. Ils utilisent peut-être que pour leur dernier Pokémon. Alors. Kikli. Bon il nous envoie toute la famille.
surf. Je pense que ça devrait sûrement le faire. Alors, la moitié, ouais. Parfait. Double pied, ça va. Petit coup critique. Je pense qu'après je vais le soigner, comme ça vous aurez pas le son justement. Le son du TD. Où on chante, allez, Céleste. On est fou. Faut quand même envoyer Célébi à un moment. 46, ça ouais. Allez, Célébi. Tu vas nous servir un petit peu. Pouvoir préscience plutôt. Ah mince, il a éboulement. Je suis type plante psy en fait, donc ça va. On va faire pouvoir antique. Dommage que j'ai pas la CT Giga Sensu, ça aurait pu être utile quand même. On va faire ça. Qui est. Je sais même plus ce que c'est maintenant comme attaque. Rune Protect, voilà. Bon, ça va. Allez, prends-toi le futur spin. Oh. C'est tout? Ça m'étonne. Allez, Sparky. C'est le meilleur Pokémon, lui. Alors, bon, un petit tonnerre, ça devrait être réglé sûrement. Alors, bon, on va voir quand même. Que niveau 46, waouh. Je sais pas combien. Il est pas mort. Je sais pas quel niveau il sera le champion. Bon, j'accélère un petit peu vu que c'est soigné. Et le dernier, c'est qui? C'est Onyx. Bon, ça va. Envoyer Leaf, on va faire un petit giga sensu. Alors. Ouais, ça finit. Giga sensu, je pense que c'est bon. C'est sympa quand même cette animation. Bon, ça va. Pour moi, pas vraiment de très grande menace non plus. Hein. Je pensais que la ligue serait plus dure. J'ai peut-être un petit peu trop XP. Alors, parlons pas si vite, hein, il reste encore deux dresseurs. Finalement, la meuf ténèbre, s'ils n'ont pas changé. Et enfin, le maître. Ouais, c'est la meuf ténèbre. Alors, je vais envoyer qui? Je sais plus par quel commence, je crois par Noctali, si je me souviens bien. Tu sais quoi, on va faire un petit duel d'évolution. Noctali contre Leaf. Qui va gagner? Je suis Karen, je crois que c'est Morgane, quelque chose comme ça. Ouais, elle utilise les Pokémon ténèbres. Comme je dis, je vais pas lire le dialogue parce que normalement il a pas changé. Peut-être pour le champion, je sais pas s'ils l'ont rechangé. Ou pour Red, pour la saison 2. Alors, Noctali. 42, on a déjà l'avantage du niveau. Coup de boule. Combien on lui met? Pas beaucoup. Sachant que Noctali est un Pokémon très défensif. Et en plus on a Pinch, sympa. Feinte, ouais. Bon, j'accélère un petit peu. Elle m'a rendu confus carrément. Voilà. J'accélère un petit peu parce que ce serait pas été trop intéressant, je pense. Vilplume. Qui est... partie de Rapizia, voilà. Alors, lance-flamme, normalement ça devrait être réglé. Et alors, lui, c'est vrai qu'il est pas type ténèbre. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. J'aurais plutôt même mis moi chez Coca, parce qu'il y a un petit poison. Poison et plante. Gengar, Ectoplasma. Ah, par contre, lui, ça va être plus marrant. On va mettre Leaf. On peut peut-être faire des petites ballons, quoi. Et alors, l'ectoplasma qui nous a quand même bien fait chier aussi contre l'arène, la cinquième arène. Ah, je sais pas si j'ai loupé l'attaque. Des petites synthèses. Oh, malédiction. Allez, ballon. Combien ça fait? Parfait. J'étais pas sûr que ça allait le tuer quand même, parce que c'est une attaque spé, même si c'est super efficace. Undong. Démolos. Caïman. Allez. Un petit surf, normalement ça doit être réglé aussi. 47, hein. Le niveau augmente quand même pas mal. Hein.
Ça, je crois que c'est son Pokémon fétiche. Ouh, morsure. Morsure mâchouille. Je perds de la défense P, ouais, je m'en fous. D'ailleurs, c'est pas de la défense normalement. Je perds de la défense P là, c'est bizarre. Ah, presque. Bon, je pense qu'elle va sûrement le soigner. Voilà. Ça risque de faire mal par contre là. Ouh. Premier mort quand même dans cet épisode. On n'a pas encore eu de mort dans la ligue. C'était bizarre. Allez, vive attaque. On est à 25 minutes quand même et j'ai fait les 4 mecs. C'était rapide, je trouve. Mon dernier qui c'est Cornèbre. Ou Corbos. Je sais pas si dans mes Corbos. Non, c'est Cornèbre. J'aurais peut-être pu mettre Corbos. Déjà, il y a Philali, Givrali et Mamochon. Je voulais peut-être respecter un petit peu le dresseur là. Je lui laisser les Pokémon de base. On a battu Karen, ouais. Allez, bon. Ouais. Ouais, maintenant, elle nous a dit on est prêt pour battre le champion. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? On va voir ça dans cet épisode. Je vous quitterai pas. On va se faire le champion. Super potion. Elle a demandé des petites super, ça devrait suffire. Pour toi, voilà. Alors, normalement, c'est bien Peter. On peut pas faire demi-tour. Normalement, c'est peut-être Peter. Du coup, je crois qu'il commence avec Léviator. C'est parti pour Sparky. Je vais mettre Céleste en deuxième. Faut quand même qu'on l'utilise un petit peu. Allez, c'est parti. C'est Red, je crois. Red. Ah, Dr. Chips. Tu es enfin venu jusqu'à moi. Ça fait longtemps que je rêve de t'affronter depuis Moganagi Town. I'm sure, ouais, je sais. Bon, fini de parler. Let's get started. C'est parti, commençons. Oh, ils ont laissé la musique de Peter. Pikachu. Ça va être un duel Pikachu-Raichu. Que de faire? Tellement stylée la musique. Je vais essayer de vous la faire écouter un petit peu plus. Fatal Foudre. Bon, Pikachu a pas une super défense. Ah, oh, comme par hasard. Il réussit son Fatal Foudre et nous paralyse. Allez, Pouline. Bon, pour le restaurant, je m'en doutais un petit peu. Il y a quand même une attaque, finalement c'est bon. Bon, Raichu est plus fort que Pikachu. Il a bien l'avantage du niveau en tout cas. Alors ensuite, qui l'a? Ronflex. Je vais essayer d'envoyer un Pokémon différent par Pokémon. Donc Ronflex, on peut envoyer qui? Alors, Koshi. Allez. Quand même, waouh. 46. Il est déjà plus puissant que nous. Deux gros Pokémon qui s'affrontent. Ronflex et Mamochon. Ronflex a peut-être repos, il a déjà pas mal de PV. Body Slam plaquage, ouais. Il m'a pas paralysé, c'est bien. Je regrette un petit peu ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cet épisode, je suis en train d'upload. Enfin, je suis en train de poster la vidéo de Verfeuille Mérise. Il y a tout. Bien sûr, il me paralyse. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, j'ai fait il me paralyse. J'ai dit paralyse au lieu de paralyse. Bon, par contre là, on accélère un petit peu et m'a tué. Céleste alors. Venge-nous. J'avais peur qu'il fasse repos. Ça m'aurait fait un petit peu chier. Bon, Céleste, t'as gagné un combat. Dracofeu.
carrément. Je peux pas laisser Céleste, il va mourir direct. 45. Surf. Quand même fait. Ça va. Bon, on est même niveau Dracofeu et moi, c'est bien. Duel de starter. Et combien on le fait? Normalement, on peut le tuer et c'est parfait. Même pas de coup critique. 36, ouais. Ensuite, normalement, il a encore Florizarre et Tortank. Je sais pas qui sera son dernier Pokémon. Florizarre, là, ouais. Je sais pas s'ils l'ont changé ou si c'est encore Mantali. On verra bien. Alors, Fox, direct. Lance-flamme. On a une bonne équipe, franchement. Il y a des Pokémon, ils m'ont pas déçu. Mamochon m'a pas déçu, il était quand même assez bon. Même si au début, il était pas terrible. Vu qu'il avait pas trop d'attaque. Philali aussi, avec coup de poule, waouh. Bon, ça, j'en parlerai peut-être un petit peu après, quand même, des Pokémon. Bon, là, ça va. Ouais, c'est vrai que j'en parlerai un petit peu après de l'aventure, de ce que j'en ai pensé, de la Rome. Des Pokémon aussi de mon équipe, si j'étais content de les avoir capturés. Lapras, alors c'est un low class clairement. Ils l'ont changé. Bon, je vais pas mettre Leaf, on va remettre Sparky, parce que Cauchy est mort. Et Céleste, je peux pas le renvoyer. Parce qu'il a pas d'attaque plante Céleste, c'est dommage. Ils ont appris Chica Sensu, j'aurais direct mis. Bah, tonnerre. Je pense que ça devrait le faire, normalement, ça devrait le finir. Dernier, ça sera Tortank, quoi. Même pas, il est même pas mort. Par contre, ils aiment jouer sur le axe. Il y a de ses recuels, bon. On s'en fout un petit peu. Le dernier, c'est Tortank. On va mettre Leaf. Il n'a pas encore combattu. Bon, sinon, bilan de cette ligue Pokémon. Ça va, de bon niveau. Et sinon, ouais, deux Pokémon morts aussi. C'était qui? Bah, là maintenant, Cochillon. Bah, Mamochon plutôt. Et juste au combat d'avant, c'était bah, le starter. Mort sur. Eh hey. C'est vrai que Tortank apprend peu d'attaque quand même. La morsure, il a peut-être repli aussi au pistolet à eau. Mais il apprend peu d'attaque au et d'autres types. C'est que ça, c'est dommage. Bon bah, voilà. La ligue, c'est réglé. Leaf passe au niveau 46 en plus. Regardez ma stat aussi, waouh. J'ai perdu. Ouais. Capitaine, Kness. Ouais, nouveau champion, non, mais ils ont pas changé le texte. Par contre, là, ils l'auront peut-être changé. Waouh. Tu es réellement bon. It's what's telling me. Ouais. Tu as fait un long voyage depuis que tu as commencé. Tu es devenu un moindre sort depuis que tu as commencé ton voyage. Shulchek, Kanto, sometime. Maintenant, tu as exploré la région de Kanto. Maintenant, c'est fini, professeur Shen. Nous sommes arrivés trop tard. Vous étiez trop lents. Oh, Dr. Chips. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Tu as certainement gagné en maturité, ouais. Tu as conquéri la ligue. C'est fantastique. Décidément, tu élèves tes Pokémon avec amour. Ouais, bon, on va pas lire le reste, moi. Ça a pas l'air d'avoir changé. Félicitations, Dr. Chips. Je vais laisser une interview. Une interview de nouveau champion. Ouais. Dr. Chips connu. Ouais, c'est là qu'on honore les dresseurs. Ah non, et mon interview. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu ici. C'est ici qu'on honore les champions de la Ligue Pokémon pour l'éternité. Tes courageux Pokémon sont inductés, je sais pas ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de devenir le nouveau champion de la Ligue. Ouais. Un dresseur aussi va venir te... Ouais, plus tard, un autre dresseur va venir te défaire de ton trône grâce à de la persévérance et de la détermination.
Le nouveau champion. Ouais. Ouais, ça n'a pas changé, hein, clair, on enregistre nos Pokémon là-dedans. Ça va être un record, ouais. Alors, Sparky, je crois, capturé à l'épisode 3 ou 4. On l'a reçu par échange, en plus il était shiny, je suis bien content. Celebi, capturé à l'épisode 9, le dernier Pokémon. Bon, il m'a un petit peu déçu, il avait pas d'attaque plante. Cochignon, enfin Mamoshalon à la base, je voulais pas le prendre. Mais je trouve que c'était un bon partenaire, même s'il apprenait pas trop d'attaque. Fenard, il y a un excellent Pokémon avec Flame Ball qui colle bien à cette aventure. Philali, à la base je devais prendre Gibrali, mais j'ai pris Philali. Qui m'a pas déçu non plus, un excellent Pokémon. Le starter, bon, il était bien au début, mais vers la fin, c'était plus un CSClab. Et enfin moi, avec notre petite écharpe. Alors j'ai vu 168 Pokémon et j'en ai capturé 22. J'ai joué 78 heures. Bon ça, sans compter les accélérés aussi. Alors ouais bon, je pense pas qu'ils ont changé le générique. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette ROM déjà, voilà, déjà je vous remercie aussi tous de m'avoir suivi durant ces 10 épisodes pour ce let's play justement, c'était assez sympa. C'est un let's play qu'à la base que je voulais faire pour Noël, ça fait un petit moment que je l'avais vu, je voulais déjà le faire. Ouais, ça fait un petit moment que je l'avais déjà vu et je me suis dit, ah, je vais faire un petit projet pour Noël, je vais faire une ROM Pokémon spéciale Noël. Certains anglais l'ont déjà fait mais je l'ai pas trop vu non plus. Et les français, je sais que j'en avais vu un, mais j'arrive plus à retrouver les vidéos, du coup, il les a peut-être supprimés. Alors, sinon, au niveau du jeu, ça va, c'était franchement un excellent jeu. Le niveau de difficulté était à peu près le même que Pokémon version or. Certains lieux qui ont été un petit peu changés, modifiés, dans un style un petit peu neige. Enfin, neige, un petit peu Noël, voilà, avec la neige. Ce que j'ai trouvé quand même assez sympathique aussi. Qu'on affronte aussi la Team Rocket dans la tour de combat et qu'il soit dans une forêt... dans une tour cachée dans la forêt, c'était assez sympa. Quelques petits ajouts qui changent un petit peu le jeu. Je pense que c'est quand même ça qu'il faut aussi une bonne RAM, une bonne acrome. C'est pas que rajouter de la difficulté ou que rajouter du scénario, c'est aussi un petit peu changer certains lieux, surprendre un petit peu les joueurs. Et ça va, j'étais bien surpris. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ouais, il y aura une saison 2 aussi, comme j'ai dit, à Kanto. L'an prochain, je pense, à peu près, j'essaierai de poster des épisodes un petit peu plus régulièrement, du coup. Pour essayer de le terminer, parce que là, à l'heure où je tourne cet épisode, on est le 16 janvier. Noël est passé depuis un moment. Et sinon, ouais, merci au créateur du hack, justement, pour avoir créé ce hack, hein, qui, franchement, était fabuleux. The End. Il y a un petit problème avec le End, là. On va quand même un petit peu lancer, je pense que voilà. Trouver un peu devant la maison. Ah, j'ai réussi à bouger avant que l'appel, avant que je sois à l'appel. Ouais, tu peux venir à mon labo. On verra ça plus tard, professeur Shen. Professeur Rome plutôt. Je vais voir, est-ce que sur le Pokégear il y a des trucs qui ont changé. On a que le numéro de notre mère et du prof, je viens de remarquer. Voilà, la carte dresseur, les 8 badges de Johto. On se retrouvera du coup pour la saison 2 à Kanto aussi, l'an prochain comme j'ai dit. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, là on est à 38 minutes. Je sais pas combien de minutes ça a fait pour l'XP justement de la grotte et le chemin que j'ai fait par là-bas. Bon, je pense que vous avez souvent peut-être un épisode d'une heure. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que la fin d'aventure vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.